Ça fait le tour. Il y a une couple de livres que j'ai laissé derrière, mais là, commence à surcharger un peu. Trop de livres, c'est comme passé, hein? C'est ce que le dicton dit? Non, ça, il parle pas de livres dans le dicton, je pense. Oh my god, ok, il y a des loups sur le lac. On en voit trois. À l'autre bout du lac. Je pourrais faire par exemple. Ce serait de carton un peu. Le sac à dos, je l'ai vu. Ah putain, puis un ours là-bas. Ok! Bonjour ma gang de pas fin, c'est Doom QC89, on est de retour dans The Long Dark. Pour notre épisode numéro 2, on va dire, du défi le voile blanc. Oui, si vous avez manqué ça la semaine dernière, vendredi dernier, une mésaventure durant notre let's play. Une coupe de mésaventures, on va dire ça de même. Oh, intéressant ça. Ce qui fait que on repart à zéro. Puis pour faire changement, au lieu de faire un mode survie, j'ai eu le goût de faire un mode de défi. Le défi, c'est voile blanc, donc nous avons un compte à rebours. Nous avons 30 jours pour nous préparer. Oh, ça aussi c'est bien intéressant. À une tempête du siècle. Et il faut ramasser des vivres. Avant les 30 jours. Dans le fond, dans 30 jours, on sait qu'il y a une tempête monstrueuse qui s'en vient. On doit ramasser assez de vivres pour survivre pendant un certain temps à l'intérieur du garage Quonset. Si vous avez vu ma dernière saison, la saison 3, le garage Quonset, vous savez où c'est. C'est dans l'autoroute côtière. C'est là où on s'était établi avant de le transférer vers le site de désolation. Alors, oui, c'est ça l'objectif. On doit survivre. Mais on doit faire en mode. Surtout, ce qui est important, c'est de vraiment. Oh, ça m'en prend. C'est merveilleux, ça. Merveilleux, merveilleux. Ça nous prend des vivres. On doit stocker certaines ressources dans l'inventaire de. Dans le garage, dans le fond. Et là, on est parti, dans le fond, de l'autoroute côtière. On commence au garage. On est parti de l'autoroute côtière. Puis. On est venu au lac Mystère, histoire de récupérer des ressources un peu plus loin. Parce que je pense que juste les ressources dans l'autoroute côtière, ce sera pas suffisant nécessairement. On a quand même fouillé plusieurs maisons là-bas, on a trouvé vraiment des trucs intéressants. Et, oui. J'ai trouvé de quoi faire du matériel de pêche. On venait aussi au lac Mystère pour, surtout pour pêcher. Nous prendre la nourriture. Je pense que le plus dur, ça va être la nourriture à trouver. On va regarder la liste ensemble si vous n'étiez pas là. On a commencé la dernière... dans le fond, on a commencé ça par un live stream. Fait que c'est pour ça qu'on est déjà avancé un peu comme ça. Ça, c'est les ressources qu'on a déjà de stocker. On a la liste. Dans le garage. Fait que certaines affaires qu'on a déjà trouvées. On a besoin d'avoir pour l'équivalent de 15 jours de nourriture. Fait que ça doit être compté en nombre de calories. Par jour. Du bois évidemment, du bois de récupération. Ça, j'ai comme plan de démonter des palettes et des choses comme ça rendues à l'autoroute côtière. Des bâtons, c'est pas un problème. Petit bois, c'est pas un problème. Pansement, c'est déjà réglé. Les allumettes, j'en ai plus cassé dans le garage. Un fusil, on en a trouvé un, on l'a sur nous. Les cartouches, ça nous prend moins de 10 cartouches. Donc l'objectif, c'est de pas tirer trop. Parce que je voudrais pas manquer mon objectif parce que j'ai pas assez de munitions. Une hachette que j'ai toujours pas trouvée. J'ai un couteau, mais pas de hachette. C'est pour ça aussi que je suis venu dans la région du lac Mystère. C'est là que je trouve beaucoup d'outils. Une lampe. Bon, on vient d'en trouver une. Si par lampe, on parle de lampe tempête, là. Ce qui, oui, d'après moi, c'est ça. De l'eau. C'est pas trop compliqué à faire.
Du combustible, c'est ça qui va être un peu compliqué. C'est pour ça que j'étais tout excité d'en trouver dans l'armoire ici. Oui, on est arrivé ici. Non, on a 0,7. Puis c'est pour ça que je veux du poisson aussi. Ça va me donner. Ça, elle va m'aider à ramasser les deux choses que je pense que j'aurai le plus de misère à ramasser. Soit la nourriture et le combustible. Fait que là, on va déposer les quelques petites affaires qu'on a trouvées ici qu'on n'avait pas de besoin pour le moment avec nous. C'est pour le bois de construction, le bois de récupération. On a juste à démonter des meubles. On va en trouver amplement. Là, je vais aller dans le crafting en main nue. Je vais faire ça. Fait que ce qui est bien, c'est qu'on bon, on est un peu dans une course contre la montre. On a un temps minimal, maximal pour atteindre notre objectif. Ce qui fait que je veux pas niaiser trop longtemps au lac Mystère. Mais dépendamment ce que je trouve, ouais. C'est vraiment la nourriture qui est mon problème. Ah, on a trouvé du jerky quand même. Bon, on va se faire un petit peu de calories avec ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais quand même un peu de nourriture ici, mais j'aime mieux passer, je pense. Pour éviter de gaspiller des calories, je vais passer une bonne partie du temps avec le ventre vide. On va peut-être on va vivre à la dure en attendant de trouver en attendant la tempête, puis après ça on s'engraissera là. Ça. Alors, je dois me balader très très léger, ce qui est, comme vous savez, difficile pour moi. Moralement, c'est pas facile. Oups, regardez mon couteau, pardon. Le fusil, je le garderai pas. On va sûrement aller pêcher un peu aujourd'hui. Attends, je peux le mettre ici. D'habitude, je le laisse sur une armoire, mais. La pierre aiguisée, je vais la laisser ici, mais ça va nous être extrêmement utile, là. Ah, j'ai oublié tout. J'ai oublié ça. En finissant le stream, j'ai dit que j'allais mettre ça par terre. Je les ai oubliés. Ah ah! La fourrure, ben franchement, j'en ai pas besoin. Je me ferai rien avec les fourrures comme c'est là. C'est les boyaux que je voulais faire sécher. Parce que bon, ils peuvent me servir à plein de trucs. Le fait, exemple, mettre des collets autour du garage, ben peut-être pas autour du garage, mais où il y a des lapins, ça peut être très utile. Ça me prend de l'eau, par exemple. On va en faire tantôt. On va en faire au niveau du lac. Là, j'ai pas vraiment d'armes sur moi à part des roches. Parce que je veux pas utiliser mon fusil. Comme j'expliquais, pour pas brûler mes passer au travers de mes munitions. Fait qu'on va aller au lac Mystère. On va voir le ventre vide longtemps. Si je mange pas des calories, ça m'en fait plus pour mon 15 jours. Je vivrai quand j'aurai la certitude que je vais avoir assez de calories au garage pour me faire vivre. Ça sera une autre histoire. Le problème, c'est qu'on est limité en poids, fait qu'il va falloir faire attention à qu'est-ce qu'on rapporte. Il y a bien des choses que je vais looter, que je vais laisser ici. Exemple, des vêtements, une fois que je vais ramasser les meilleurs vêtements que j'ai besoin. Une fois que ça c'est fait, les vêtements risquent de rester derrière moi tout le temps. Parce que je dois transporter vraiment ce que j'ai de besoin. On a quand même un bon bout de chemin à faire pour se retourner. Sans retourner au garage, on doit traverser l'autoroute côtière au complet. On doit se rendre jusqu'au barrage ici, puis traverser le ravin aussi. Là. Fait que, on n'est pas à la porte. Okay, getting a bit thirsty.
Thirsty. Thirsty. Thirsty, thirsty. Une hachette, merveilleux. Autre affaire que j'avais besoin. Ça, de couture, c'est toujours pratique. Mais ça en fait partie des affaires qui risquent de rester derrière pareil. On va fouiller toutes les cabanes autour du lac mystère, ça va être pas mal aujourd'hui. Plus la pêche. Est-ce que c'est une carcasse ou c'est un cadavre? Ouais, c'est un cadavre, je me souvenais pas. Il y a un cadavre qui peut apparaître ici en avant de la cabane. Hutte de pêche sur glace. Les huttes de pêche sur glace sont une présentation de... du gars qui est mort à terre. Quand t'es mort dans la glace. Ah, correct, ça me fait plus de nourriture pour moi si les autres sont morts. Un petit peu égoïste, le gars, tu sais. Plume, je peux toujours les ramasser. Des fois que j'arrête comme faire des flèches. Mais honnêtement, l'arc est pas une priorité. Non, c'est comme je disais, c'est ma liste d'épicerie, c'est ça qui est important. C'est la liste que j'ai à remplir. Une fois que ça sera fait, le reste, je m'en fous profondément. Ça va être juste de survivre les 30 jours, mais je pense qu'on va arriver quand même serré dans notre temps, là. Déjà, on a 6 jours de passé. Il faut qu'on retourne là-bas. Donc, je calcule un 2 jours juste pour retourner au garage, vider nos affaires. Allô? Ça serait de la nourriture gratuite, mais j'ai pas d'armes pour les chasser, vraiment. Il y a le fusil qui est là-bas. Ce que je veux, c'est ramasser 10 munitions. Une fois que j'ai les munitions que j'ai de besoin, je les mets dans le garage, j'y touche pas. Mon objectif est complété. Le reste, je vais pouvoir m'en servir. Fait que si on trouve 20 munitions, je vais juste en déposer 10 là-bas. Oh! C'est vrai, je suis un peu dépaysé parce que depuis l'arrivée du mode histoire, la carte du lac mystère a été modifiée beaucoup. Ben, beaucoup. Énormément été modifié, mais ils ont rajouté beaucoup d'ambiance, des choses qu'il n'y avait pas. Un balai. Est-ce que je démonte le balai? Pas de récupération. On va en prendre, on n'a pas de bois vraiment sur nous comme c'est là. Tiens ta boîte! Je détruis la boîte. Il y a 10 ans. Combien de temps ça prend? 1 heure et demie à démonter ça. Non. Le gros du bois de récupération, je vais pouvoir le faire facilement sur à l'autoroute côtière là. Il y a des palettes en quantité industrielle sur le bord de la côte. Ou c'est une espèce de site de pêche. Il me semble que c'est un site de pêche. Pour ce qui est du bois, je pense qu'il va être dur à récupérer, à avoir. C'est pas les bâtons. C'est quasiment, j'ai quasiment déjà tous les bâtons nécessaires, mais ça je les brûle au fur et à mesure. C'est les bûches. Ça nous prend quand même une quantité de bois, qui est plus bois tendre, bois dur là dans le fond. Bois dur, bois mou. 20. On a 4. Avec des bûches de cèdre, de sapin. Ça, c'est des sapins, je pense qu'on a dans le jeu. C'est comme ça, là. Cèdre. Bois de chauffage, dans le fond. Sapin. Cèdre et sapin. Mon dieu, que je suis. Je sais pas t'es où, mais je veux pas le savoir. Ok, je te vois. Bye bye. Nourriture. Elle est identique cette cabane. Mouth. So dry.
Ouais, ça va passer au cash. Comme ça. Attends. Niveau température, là, je pense au niveau des vêtements, on est assez bien équipé. Hein? Des bas de laine, des super bottes qu'on a trouvé au. Il y a les mitaines, ça peut être amélioré. Je pense celle en laine, c'est mieux. Pour se départir d'une coupe de vêtements pour qui sont là pesant pour rien dans notre inventaire. Recycler ça. Coupe-moi tout ça en petits morceaux. Pareil pour ça. Oh, quand même déjà assez fatigué. Je pense que la température s'aligne pour baisser. En tout cas, on entend le vent se lever dehors. Essayer de rester hydraté, mais la nourriture, on s'en fout un petit peu plus. Ok. Bon. On risque d'avoir de la visite en dehors quand on sort. Fait qu'on va sortir la torche en premier. La torche en main. Quoi qu'après 2 heures de marche, il risque de 2 heures de sommeil. C'est les corbeaux qui. J'ai-tu fouillé le cadavre, moi? J'avais manqué de cadavre. Ouais, va-toi. Les allumettes et. Oh my god, cool. Du carburant. Les allumettes, ben j'en ai plus cassé dans mon. Dans le garage. Mais j'en ai pas gardé beaucoup sur moi en fait. C'est un problème. Je me suis allégé dans le garage. Oh cool. Qui met des roches aux poubelles? Se nourrir au soda. On doit faire attention aussi avec ce qu'on. Qu'est-ce qu'on mange? Oh, ça c'est vital. Qu'est-ce qu'on mange? On veut pas tomber. Tomber malade. Ça nous est arrivé dans le live stream de pogner, de manger quelque chose de mauvais, de tomber en intoxication alimentaire. Ça nous retarde énormément. Faut qu'on reste en situation de repos. Vraiment longtemps pour guérir ça. C'est du temps qu'on perd. Puis si on le fait pas, ben on meurt. Les points de vie, notre état se détériore très très rapidement en intoxication alimentaire. C'est un peu comme l'hypothermie, c'est sévère comme condition. Tu veux pas avoir ça, puis si tu les as, tu veux les régler au plus vite. Donc, dépendamment où on est. Des fois, on peut se risquer parce qu'on est dans un endroit protégé. Comme là, si ça arriverait ici, bon, je sais que j'ai un lit pour me reposer, puis j'ai des vivres à portée de main. Peut-être pas tant que ça. Pas exagérer non plus. Attends, si je brûle des livres plutôt que de brûler du bois pendant le temps de préparation. Ça va être bien. Son cool. Cool, un petit radio. Toujours pratique. Qu'est-ce qu'on a dans les caisses? Y'a rien. Ok. Good, good. Ça fait le tour. Il y a une coupe d'olive que j'ai laissé derrière, mais là, je commence à surcharger un peu. Trop de livres, c'est comme passé, hein. C'est ce que le dicton dit. Non, ça, il parle pas de livres dans le dicton, je pense. Oh my god, ok, il y a des loups sur le lac. Ah.
en voit trois. Elle a l'autre bout du lac. Et je pourrais faire, par exemple. Ce serait de carto un peu. Le sac à dos, je l'ai vu. Ah oh, putain, puis un ours là-bas. Ok! Le lac est pas si mystérieux que ça finalement. C'est plutôt assez évident qu'il veut notre mort. Là, s'il est bien peinard. Faire un feu de camp, on va se faire de l'eau. On va peut-être passer la nuit dans la cabane ici. Bon, on partit ça avec. Là, j'ai du bois sur moi. C'est pas possible. Quantité de bois que j'ai sur moi. Ça m'arrive pas souvent d'avoir tant que ça, mais c'est parce que je le garde. J'en ai besoin. Au garage. Et le bois de récup qu'il faudrait pas que je ramasse parce que je sais que j'en ai en masse là-bas. I'm gonna need to eat soon. Ouais, dans 30 jours, tu devrais être bonne pour manger. Perfect. On va se faire de l'eau. On va faire 2 litres finalement. Ça ajoute le mode de ce défi là, ça ajoute vraiment un élément que j'avais pas normalement dans le mode survie où je regarde le temps. Comme le combien de temps que ça me prend de faire telle action, est-ce que ça vaut la peine? Parce que quand on fait des actions qui écoulent du temps, en temps réel, il se passe le même temps que je fasse une sieste, que je dorme pendant 1 heure ou 12 heures, c'est le même temps à peu près qui s'écoule. En temps réel, mais dans le jeu, c'est une autre histoire alors. Ça affecte vraiment mes actions. Ce qui fait du sens, c'est parce que vraiment, si je serais qu'en 30 jours, j'aurais une grosse tempête qui s'en vient. Je m'arrangerai en 6 bols pour pas mourir pendant la tempête. Comme là, de la ferraille, je m'en fous énormément là. J'en ai pas besoin. En dedans de 30 jours, je devrais pas en avoir de besoin. D'autres choses qu'on a besoin ici. Je veux pas passer trop de temps au lac Mystère. En fait, après avoir fait le tour du lac, il y a des bonnes chances que je retourne directement quasiment. Je retourne directement, ben pas directement, mais assez rapidement. Ok, je vais peut-être passer la nuit en dedans finalement. On espère que l'ours soit ailleurs, mais que je revienne. Hmm.
On est pas tard en plus là. Bon, avant de faire ça, on va peut-être voir si on peut faire d'autres choses. Ah, on va réparer ça. Oh shit, c'est coûteux. Good. Toujours pas la nuit. Faut mourir de faim. Je mourrai pas de faim. Hein? Avoir faim en caisse par exemple, là, mais. Réparer mes jeans. Super jeans pourris de merde. Ah, là il fait noir. Bon, ok, il y a ça que je peux me débarrasser. Et là, ça va être le temps de dormir pour vrai. Je sais pas si ma condition on descend un petit peu pareil, le fait que j'ai pas mangé, pas de nourriture. Je pourrais pas tant abuser du système à ne pas rien manger. 27%, c'est pas mal limite. Donc en bas de 25%, là, ça commence à être dangereux. Dormir un petit 8 heures. Toujours la nuit. Bon, bon, on va mettre. Oh, I could eat anything right now. Non, je sais que tu peux manger n'importe quoi. Tu manges toujours n'importe quoi. Tu manges tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais sérieux? Ah, on verrait plus. Ah, c'est pour ça. On se réveille en pleine forme. La forme, quoi. Ah, c'est pour. Bon. Plus que jamais, faire cuire mes conserves, ça s'en vient vraiment important. Étant donné que j'ai besoin de une quantité de calories, le plus que j'ai de calories, le mieux c'est. On va essayer de pas gaspiller, puis ça peut être comme pas mal du gaspillage. De pas la faire cuire. En plus de nous donner un bonus. En fait, là, j'ai pas le niveau 1 encore de cuisine. Fait que ça me donnera pas le bonus en calories. Mais ça va me donner un bonus en chaleur quand même. Parce que t'es poche avec les feux. Marc, je peux pas t'en vouloir. Moi aussi, je suis poche avec les allumés un feu. Mais. Des livres. On se révolter. C'est ça. 284 millilitres. C'est le vrai format en plus. Ça, je trouve ça fou. Les détails. L'item, il y a même un code barre dessus. Il y a les ingrédients derrière, donc si on peut être sûr de ne pas être allergique à rien, des fleurs de camomille, des feuilles de menthe, puis des saveurs naturelles, toujours naturelles. Ils sont. Écoute, c'est merveilleux. L'autre truc que j'ai passé, des pêches au sirop à 39%. Ici. Et là, les ingrédients, de l'eau et des pêches et du sirop. Ah, regarde, il n'y aurait aucune ajout artificielle. C'est-tu pas merveilleux, ça? On peut manger de façon santé tout en étant perdu dans le fin fond de nulle part avant une tempête apocalyptique. Wow.
pense que ça va être les seules calories qu'on va avoir pour l'instant. Ah, mais je viens d'apprendre de quoi? Bah, qu'un ours. Ah, si bol, c'est pas donné ça comme erreur. Ah, ok, des analgésiques et un bandage. Bandage. Ok, ben, c'est la première fois que je fais ça, marcher sur un feu. Alors ça brûle. Je vais aller dans cette petite cabane là, mais j'ai comme... Regarde les cabanes de pêche là, il y a des loups, des ours, tout le monde veut ma mort. Le feu aussi, mais ça c'est ma faute. Ah! Mais il fait pas super chaud hein? En fait il fait super froid plutôt. C'est de retourner au camp, à la maison de camping, je pense. Au yard de la pêche. Avec cette météo-là, là. Damn, it's cold! C'est la première fois que je vois un ours. Je sais pas si c'est juste à cause du, du mode de défi, là. C'est la première fois que je vois un ours ici. On doit être capable de se mettre à l'abri du vent, ici. Bon, enfin, le vent qui aide pas, hein. Où est-ce qu'on va pêcher dans cette petite cabane là? Parce que... Remarque que je me casse la tête, je sais pas pourquoi je suis venu ici pêcher. Je peux pêcher à l'autoroute côtière direct, il y a des cabanes de pêche, mais il y en a une vraiment proche du garage Quinset. Fait que je sais pas pourquoi je me suis cassé la tête à venir ici là. Franchement, c'est une bonne question. Pourquoi donc? C'est pas ce que je veux faire. Je veux un carto. Ouais. Température est trop basse. On y a le poisson. Il restera dans le lac. Je sais pas. Ça se peut qu'il y ait des poissons qui soient... rentable en termes de calories. J'ai l'impression que les poissons dans à l'autoroute côtière, ça va être des plus gros poissons. Puis si on est dans un lac, là-bas on est sur, dans la mer dans le fond. Qu'on pogne du saumon là-bas versus si on pogne de la truite. Par exemple. Je sais pas en termes de gras par exemple. Mais bon. Je pense que la meilleure solution, ça va être de retourner à l'autoroute côtière. Je pense que c'est ce qu'on va faire au prochain épisode. Plutôt que de risquer d'être trop loin de la maison. D'un, on a beaucoup de matériel déjà là. Mais quand même que je... Même si je fouillerais plus ici, on va déjà plus qu'assez de matériel à rapporter là-bas. Fait que je pense que la solution, là, ça va être de faire vraiment le tour de l'autoroute côtière. Ramasser tout ce qu'on peut ramasser pour fermer des... pour terminer certains objectifs. Donc, ramasser, exemple, justement le bois de récupération. Faire une tournée pour ça. On termine ces objectifs-là. Après ça, on va pouvoir se concentrer sur les quelques objectifs qui restent et qui vont être... plus difficile, donc on va pouvoir aller
lorsqu'on ira plus loin, on va pouvoir se concentrer juste sur ces objectifs-là. Ça va être probablement la nourriture et le combustible, comme je disais. L'eau, ben, il s'agit d'avoir assez de bois. Une fois que j'ai plus que suffisamment de bois, je me fais un feu, je fais bouillir de l'eau. Et on se casse pas la tête, là. Fait que c'est ça qui va arriver. D'ici le prochain épisode que je vais faire le ménage dans mon inventaire et je vais me préparer à faire le voyage de retour. Savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse ici. Et ouais, finalement, mes boyaux, soit je les récupère, je vais voir si. Soit je les récupère, je les ramène, soit ils vont rester ici. À jamais! Mais ce serait bien que j'en ramène au moins quelques-uns. Donc on termine l'épisode là-dessus. C'était Doom QC89. On se voit dans le prochain épisode pour notre retour vers l'autoroute côtière. Donc c'est ça, on passe du lac Mystère par le ravin jusqu'à l'autoroute côtière. On suit le chemin de fer finalement. Donc on se voit dans le prochain épisode. Bye bye! Thank you.